Eh bien salut les hunters, c'est Aranok et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Aduna Core TV. Comme vous avez pu le constater, je vous parle aujourd'hui depuis la forêt Moga, où j'étais parti faire un petit peu de collecte. Je vous laisse tout de suite en compagnie du sommaire avec Marie-Ange, et on se retrouve tout de suite après dans la taverne des chasseurs pour la suite de l'émission. Salut les hunters, c'est Marie-Ange. Ce mois-ci au sommaire, nous allons rejoindre le professeur Féline pour le conseil du mois. Nous regarderons ensuite un reportage sur la création des cris des monstres pour le jeu Monster Hunter 3. Nous vous ferons aussi découvrir une reprise métal du thème du jeu, puis nous irons du côté du net pour découvrir de nouveaux talents artistiques. Nous retrouverons également la suite du cartoon mettant en scène Aielu, Melalu et Puggy, et nous finirons l'émission avec un trailer de Monster Hunter Freedom. Voilà les hunters, bon visionnage et à très bientôt! Eh bien salut les hunters, nous voilà de retour donc dans la taverne, on a fini de cueillir des champignons dans les bois. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas Aranok, ce qui, dans le fond, n'est pas bien grave. Je vais donc vous lancer la prochaine séquence, qui est le conseil du mois du professeur Féline. Excuse-moi Sylvain, là, mais qu'est-ce que tu fous, là? T'étais pas là, t'étais encore dans les bois, donc moi je voulais, j'en ai marre de filmer, je voulais essayer de présenter un peu. Tu connais rien, Monster Hunter? C'est pas grave, ça, on s'en fout, qu'est-ce que les gens en ont... Je balance ton texte. J'ai les cheveux longs comme toi. Les gens s'en foutent. Ils en ont marre de ta tronche aussi, peut-être. Non, mais sans déconner. Dégage. Retourne derrière la caméra, là. Ça va. Donne-moi ça. N'importe quoi, là. Bon, allez. Tout de suite, c'est le conseil du mois avec le professeur Féline. Bonsoir, ici professeur Féline. Le sujet de notre tuto aura pour but d'orienter les joueurs sur le choix de leurs armes. Nous ne parlerons pas de maniement, ni de gameplay, ni de technique, juste du B.A.B.A. pour se faire une idée de quelle arme d'un tel team serait meilleure qu'une autre du même type. C'est parti! Parlons des doubles lames. Arme la plus rapide du jeu, mais pas de bouclier. On la choisira selon son tranchant, puis son attaque. Ensuite, on choisira soit en offensive élémentaire selon la faiblesse du monstre, soit en offensive malus, en choisissant le statut qui vous convient le mieux. Comme c'est une arme rapide, le statut ou l'élément est très important. A noter que si vous avez une double lame avec une grosse affinité et le talent expert, si l'affinité s'active en début de démonialisation, ça fera toute la démonialisation et vous ferez d'énormes dommages. Petite épée bouclier. Arme rapide avec un bouclier. On la choisira selon son tranchant, puis son attaque. Ensuite, plusieurs possibilités. Soit offensive élémentaire selon la faiblesse élémentaire du monstre, soit soutien malus en choisissant une arme statue selon la situation. A noter, vu que c'est une arme rapide, l'élémentaire ou le statue est très important. La lance. Arme à attaque rapide mais déplacement lent avec un bouclier. On la choisira selon son tranchant, puis son attaque. Ensuite, soit offensive élémentaire selon la faiblesse élémentaire du monstre, soit offensive malus avec le statut qui vous convient. Comme les frappes sont rapides, le statut et l'élémentaire ont toute leur importance. La lance-flingue, donc arme rapide à déplacement lent avec un bon bouclier, on la choisira selon la stratégie cette fois-ci. Donc si c'est une offensive classique, on choisira avec les mêmes critères qu'une lance. Et si c'est stratégie pilonnage, c'est-à-dire petite balle feu de wyvern, on choisira en tout premier selon le type de canon, le tranchant et l'attaque. A noter que les balles et les feux de wyvern d'un lance-flingue sont des dommages fixes de type feu et se boostent avec le talent artilleur. L'épée longue ou le katana. Arme rapide mais n'ayant pas de bouclier. On choisira cette arme selon son tranchant puis son attaque. Ensuite en offensive élémentaire selon la faiblesse élémentaire du monstre. Ou en offensive statut selon les statuts qui vous arrangent. Comme c'est une arme très rapide, le statut et l'élément ont toute leur importance. Le corps de chasse, donc arme à déplacement rapide mais frappe très lente, n'ayant pas de bouclier. On choisira cette arme selon les notes de musique, vu qu'il s'agit d'une arme principalement utilisée pour le soutien. Ensuite, le tranchant, puis l'attaque. L'élément statut peuvent être un petit bonus, mais comme c'est une arme à frappe lente, ça n'est pas très exploitable.
le marteau. Arme à déplacement rapide mais frappe très lente et pas de bouclier. On choisira cette arme selon le tranchant puis l'attaque. Comme il s'agit d'une arme à frappe lente, le statut et l'élément pourront être un bonus mais ne seront pas très exploitables. A noter que plus le tranchant de votre arme sera élevé, plus la puissance de vos stuns le sera également. La grande épée, donc arme lente pouvant servir de bouclier. On choisira cette arme selon le tranchant puis l'attaque. Comme il s'agit d'une arme lente, le statut et l'élément peuvent être un bonus mais n'est pas très exploitable. A noter que cette arme servira surtout en stratégie d'attaque dégainée ou en stratégie de charge. Mais attention, évitez tout de même les stratégies de combo. Arme très lente et pas de bouclier. On choisira cette arme selon son tranchant, puis sa fiole, de préférence la fiole puissance, puis l'attaque. Bien sûr, et comme toute arme lente, le statut et l'élémentaire sont un bonus, mais ce n'est pas très exploitable. A noter que la fiole puissance augmente l'attaque brute de votre arme quand elle est en mode épée. Le fusil léger, arme rapide et assez malléable. On regardera en premier l'attaque, ensuite le recul. On privilégiera les munitions statut, soutien élément. On pourra bien sûr exploiter les munitions perçantes sur les monstres à grosse carapace, les munitions frag et les munitions normales. Évitez les munitions plomb qui gênent tout le monde et qui font peu de dégâts. On prendra tout de même note d'éviter les armes ayant trop de déviations et ayant une recharge trop lente. Le fusil lourd, arme lente et peu malléable. On regardera en premier l'attaque, le recul. On privilégiera les balles perçantes sur les monstres à grosse cuirasse. On privilégiera aussi les munitions frag et normales. On pourra utiliser les munitions statut, soutien, élément, mais pas autant d'importance que sur le fusil léger. Évitez les munitions plomb, que c'est vraiment de la bouse et que ça gêne tout le monde. On regardera bien sûr qu'il n'y ait pas trop de déviation et que leur recharge soit pas trop lente. L'arc, une arme rapide. On regardera en tout premier la puissance d'attaque. On regardera ensuite le type de flèche, le niveau de flèche. Ensuite, le niveau de charge de l'arc. On regardera l'élémentaire qui est assez exploitable, évidemment, vu que c'est une arme rapide. On regardera ensuite les enduits disponibles pour faire un petit peu de soutien. Voilà, voilà! J'espère que désormais vous aurez beaucoup moins de soucis pour choisir vos armes. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et à la prochaine! Eh bien, ce mois-ci dans le reportage, je voudrais vous présenter une petite vidéo de comment a été réalisé les sons de Monster Hunter 3. Cette vidéo a été traduite par une amie à moi japonaise qui s'est fait le plaisir de vous traduire ça spécialement pour vous les chasseurs. Je vous laisse donc en compagnie de cette vidéo et on se retrouve tout de suite après. Because a lot of the monsters that we had been creating, we've been doing Monster Hunter since Monster Hunter 1, I believe. そうやってたくさんモンスターを作り続けてきて、もっといいもの、もっといいものっていうのを考えたときに、So in our last meeting, I said, one of the ways that we can get a new sound is to go and record some new creatures. 音素材を新しく仕入れて、そしてまたそれが、モンスターのオリジナリティを、ユニークな音っていうのを出せればいいなっていうことから、音の収録をしようということになりました。I think the experience of recording these animals was really, it's a part of the process that I love. Hopefully bring something into the project that has a life of its own, something that didn't exist before, that was never recorded before, and can make the,
to design have that much more of an impact on the people who are listening to it. We chose animals to record for Monster Hunter 3 that we thought would give us the right emotional content to the sounds that they make naturally. So we needed aggressive attacking sounds, and a tiger will give you a lot of really great stuff for that. We needed a lot of low-pitched, throaty sounds, and we knew that a walrus would probably give us some of that. Burp. Burp. Today we're at Gatorland in Orlando, Florida. We're going to try to get some sounds that we've never heard on tape before. We're going to capture them at resolutions we've never had available to us before. I hope we get something that has a powerful emotional impact. I would say the biggest challenge was recording the alligators because they were not trained. There was no way that we could really induce them to make these sounds on command. There were things that we could do to try to encourage them, but they had a mind of their own, and they were going to do it when they felt like it, not when we wanted them to do it. Well, Florida is very humid, and we knew that there was the possibility of rain. You know, rain creates a lot of noise, and our microphones are very sensitive, so there would be no way to isolate the animal sound from the sound of the rain. Is this about when they start? He's going to crank the airboat. Oh, the airboat gets it. Yeah, he's going to, in another few minutes, he's going to kill it and crank up the airboat. Sometimes he would make a sound that would induce them to make a sound. They had an airboat in a garage that was far away from the alligators, but when they revved up the airboat, it actually created a low frequency sound that was similar to the alligator vocals, and they actually responded to it like it was another alligator. Right there, he's getting ready to bellow. Just got his head up, now he's going to do a jaw slap. Hold off. And let them cool off. That's a lot of exertion. I'm surprised he went twice. That's amazing. Man, how'd it sound? Perfect for me. Pretty cool, you were right on top. I was right on top of that sucker. 2 days. We waited, and that was the best take we got in 2 days, and it we never got that close to one again, and it just goes to show you need to be patient, and consider yourself very lucky when the animal does what you're hoping it's going to do. There were a lot of memorable moments in these sessions. I think every time we went out, we had some incredible moments. We're gonna try to get some baby alligator sounds. You know, being 6 feet away from a tiger who was roaring in my face was, you know, a totally terrifying thing. And I'll never forget being with the alligators and being that close to them. Sometimes the animals surprised us. We definitely had an image in our head of how they would sound or certain sounds they would make, but one of the pleasant surprises was they made other sounds that we didn't even know they made. For example, the walruses had a whole range of sounds that they could make, such as the whistling.
and the knocking sounds that they did. Better than we even expected to get, and better than anything we had heard in a library that we had access to. Every time you go out, it is a unique experience. We try to go out as much as we can and gather as much as we can. The recording sessions that we did for Monster Hunter 3, so it gave us the palette to be able to draw from and create sounds that we hadn't created before. When I handed the recordings to Brian to use in the design for the creatures, I had a very open mind. I knew that he would do something with them that would enhance the sound. I knew he would probably mix sounds together and layer different animals together. In some ways, I didn't really expect to recognize what I had heard in the moment when I heard the game. 私はモンスターハンターシリーズはずっとブライアンとやってるんですけれども、私たちがまあ想像してるこんなモンスターっていうことをとても真摯に受け止めて、想像しているもの以上のまあ動きだったりニュアンスだったり感情ということを彼はとても深く考えてくれて、私が発注する音だったりのニュアンス以上のものを彼が提示してくれるっていう、そのやり取りがすごく、まあ、私もすごく楽しいし、ブライアンもすごくそれを面白いと思ってくれてるんじゃないかなと思います。 I look at every single creature as a new being that I want to breathe life into, that I want to bring to life, and I take it personally to make sure that it sounds natural and has the emotion that Rika and the team at Capcom have been describing to me to bring across. 今までなかった音を組み込んでもらった時に、全く今までと違うモンスターの音っていうのができました。So is there any limitations into designing sound effects? I don't think so. The limitation, I think, comes from your imagination. 常に客観的で冷静に音を判断してやっていくこと、フラットに物事を考えていくことっていうことで、こうもっといろんなことを、まあ、いろんな方面から音を見ることができるっていうことが、実は一番こういいことなんじゃないかなっていう。Une reprise métal. We'll be right back.
Ce mois-ci, dans les fanarts, nous allons donc découvrir trois nouveaux artistes du net en images. Le mois dernier, vous avez découvert le petit cartoon de Monster Hunter, et ce mois-ci, je vous propose de suivre le deuxième épisode. Ce mois-ci, j'aimerais vous présenter Monster Hunter Freedom, sorti sur PSP fin 2005 au Japon et en mai 2006 en France. Cet épisode a été le premier de la licence à sortir sur une console portable qui offrait la chance de pouvoir jouer en réseau dans la même pièce. C'est l'équivalent de Monster Hunter G sorti au Japon uniquement sur PlayStation 2. Et je vous laisse donc découvrir ou redécouvrir cet épisode dans ce trailer. Hey!
Hunter, c'est la fin de ce nouvel épisode d'Adunacor TV. Comme vous pouvez le constater, je suis en habit de barde et donc guitare oblige. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne chasse. Kappa! Oh, caca.